ce gâteau Kinder Bueno facile à faire et hyper gourmand, tu vas l'adorer. Allez, je te montre comment faire ça aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, dans un grand récipient, tu vas venir mettre de la mascarpone. Ensuite, tu vas venir ajouter un peu de crème liquide entière avec de l'arôme de vanille par-dessus. D'ailleurs, si tu cherches toutes les valeurs, elles sont disponibles en commentaire. Bref, on va venir ajouter quelques petits morceaux de Kinder Bueno. Tu mélanges un petit peu tout ça avec une spatule et maintenant, c'est le moment d'ajouter du sucre glace. Maintenant, je te conseille de prendre un batteur et de bien fouetter tout ça jusqu'à l'obtention d'une belle crème. On va également ajouter deux bonnes cuillères de pâte à tartiner. Une nouvelle fois, tu fouettes bien tout ça et là, on a une crème bien onctueuse, parfaite pour notre gâteau. Maintenant, on passe au montage de notre gâteau. Tu vas prendre des biscuits cuillères que tu vas tremper dans le café. Ensuite, tu vas les déposer dans le fond d'un récipient pour bien recouvrir toute la surface. Par-dessus, tu vas venir mettre la moitié de notre crème au Kinder Bueno. T'en étales bien partout et maintenant on va venir mettre une deuxième couche de biscuits cuillères. Et pour l'étape suivante, rien de plus simple, tu vas recouvrir une nouvelle fois avec ta deuxième partie de crème au Kinder Bueno. Et surtout, fais attention, fais pas comme moi, je me tâche tout le temps. Bref, revenons à la recette, ça va partir au réfrigérateur pendant quelques temps. Après seulement quelques heures, ta crème a bien pris. Il te reste plus qu'à mettre du cacao en poudre avec des Kinder Bueno et déguster. Et au fait, je suis certain que